Mariage de Christine Bravo et Stéphane Bachaud. Toutes les photos de la cérémonie en Corse, exclues. L'ancienne animatrice télé Christine Bravo s'est mariée, le 11 juin 2022, à son nouveau compagnon Stéphane Bachaud, en Corse. Une cérémonie organisée en quelques mois seulement en présence de leurs amis, pas tous, et de leur famille. Retrouvez toutes les belles photos de ce grand jour. À 66 ans, Christine Bravo est une femme épanouie. L'ex-animatrice de Froufrou et Union Libre Ceste refermait les parenthèses mariées le 11 juin, en Corse. Où elle habite depuis quelques mois maintenant tout en conservant sa péniche parisienne. Cette union sur l'île de beauté, il ne lui avait fallu que 2 mois pour la mettre sur pied, confiait à la gala. Un mariage bohème et plein de joie, dont purpeople.com vous propose de découvrir toutes les photos. Ceste donc dans le petit village d'Occhiatana, en Balagne, Haute-Corse, où elle a acheté un moulin génois entièrement rénové. Que Christine Bravo ceste mariée à l'homme d'affaires Stéphane Bachaud. Et si plusieurs invités manquaient à l'appel, comme l'animateur Laurent Ruquier retenu pour cause de planning. Le couple a pu faire la fête avec de nombreux convives. Le chanteur Thomas Dutronc a même offert un petit concert aux mariés. Point. Pour ce grand jour, l'ancienne star du petit écran que l'on retrouve désormais comme pensionnaire des grosses têtes de RTL. Point. Était aussi entourée de sa sœur Muriel, de ses enfants Mathieu, dont le père est son ancien époux Paco Servante. Point. Et Clara, dont le père est son ex-mari Philippe Brunel, ainsi que de ses 3 petits-enfants. Outre la cérémonie civile à la mairie, avec un discours du maire, qui lui a tiré les larmes aux yeux, Christine Bravo a surtout dîné et dansé sur la plage. C'est au restaurant Le Marinella, sur l'île Rousse, que se déroulait la soirée. Elle y a fait son arrivée au bras de son mari Stéphane à bord d'un Zodiac. Christine Bravo, vêtue d'une robe blanche toute simple lui ayant coûté que quelques euros, a passé un très beau moment lors de son mariage, mais n'a visiblement pas acté de lune de miel ensuite. Pour l'heure, la star profite pleinement de sa propriété en Corse même, si elle a récemment eu le déplaisir de constater que certains de ses cadeaux de mariage ont été saccagés. En effet, elle a reçu des arbres, des plantes et divers végétaux de la part de ses invités, de quoi l'occuper un bon moment.